de vivre. Avant le second tour, un second Tatawaya conduit par Teva Rufrich et Gaston Tongson souhaite renouveler cette tragique expérience en nous jurant que cette fois-ci ce serait différent. Nous nous laissons plus berner, nous n'en avons plus les moyens. Aujourd'hui, ils y ont cru. S'agissant du nouveau Tatawaya, quel bilan Gaston Tongson fait-il de sa gouvernance? Qu'a-t-il fait pour les Polynésiens? Qu'a-t-il fait pour défendre les fonctionnaires et les enseignants lors de la réforme de l'ITR? Comme sur tous les sujets, il fut invisible. Pour sa part, quel bilan Teva Rufrich fait-il de son action gouvernementale après avoir été ministre à 7 reprises? Le pim-pam-poum, une mesure qui pèsera lourdement sur les finances publiques pendant 20 ans? Une maison de la perle qui constitue un échec cuisant en matière de développement de la filière perlicole? Mis à part quelques slogans, le temps c'est bon, ou ça suffit? Lorsque Gaston Tongson l'a limogé de son gouvernement, peut-on réellement parler de bilan?